Et oui, Huion m'a encore envoyé une tablette. Moi j'aime ça, personnellement je vois pas de problème. On se souvient tous la dernière fois de la tablette qu'il m'avait envoyée, la Huion GT191, et j'avais pas été très tendre avec eux parce que j'avais trouvé quand même pas mal de points négatifs, notamment les raccourcis. Cette fois-ci, Huion m'a envoyé la Canvas Pro 13. Mais alors, qu'est-ce que ça va donner cette tablette, hein? Parce que franchement... j'aimerais pas être déçue. La tablette se présente comme ça, vous avez le petit mot de remerciement de Huion qui fait toujours plaisir et la tablette qui est dans cet emballage assez sobre avec, je l'avoue, un petit dessin vraiment mignon. Ouais, moi ça m'a touchée, voilà. Première chose qui m'a fait un petit peu bizarre, c'est la taille du carton. Genre, ça pourrait être une tablette tout à fait basique à l'intérieur. Voilà, une tablette que vous pourriez acheter sans écran. Et ça met le doigt sur quelque chose de très important. C'est que la tablette que je vous présente aujourd'hui, elle fait 13 pouces. C'est-à-dire que c'est un petit écran. Ça n'a rien à voir avec la GT191 qu'on avait pu tester auparavant. Actuellement, 13 pouces, c'est la taille de ma Wacom. C'est exactement la même taille d'écran. Quand on ouvre le package à l'intérieur, sans vraiment grande surprise, il y a la tablette. Elle est bien heureusement protégée par un film parce que sinon ce serait la merde. Quand on sort la tablette de son petit sachet, vous avez donc un écran protecteur qu'il va falloir que vous enleviez, hein. C'est le famoso écran protecteur que tu aimes délicatement retirer. Et je vous avoue que oui, ça m'a fait un peu peur parce que je ne savais pas à quoi m'attendre en dessous de ce film. Si la surface était mate, si la surface était brillante, je ne savais pas trop, donc petit peu peur quand même. Première chose qui me frappe en pleine tête avec un bâton lorsque je prends cette tablette, c'est qu'elle est extrêmement légère et ça c'est super cool. Je sais absolument pas quel poids elle fait, comme quoi hein, je suis bien renseignée. C'est pour ça que grâce à la magie du montage, les informations dont je n'aurais pas connaissance vont apparaître petit à petit sur l'écran. Revenons à nos moutons. Très légère du coup, je disais, en comparatif, ma Wacom, je ne peux pas la porter d'une main. Genre, je suis une fille, je suis assez faible, ce qui est plutôt logique. En effet, je représente un stéréotype. Et celle-ci, sans aucun problème, j'arrive à la porter d'une main. Donc c'est qu'elle doit pas faire très lourd, je pense. En ce qui concerne l'arrière de la tablette, on a deux bandes antidérapantes et une surface métallique grise, plutôt cool. En dessous de la tablette, on a tout ce qui est connectique et guide. Donc on a le petit guide de driver qui, du coup, n'est plus sous forme de CD. Donc c'est assez cool. En fait, si, il est sous forme de CD, mais pas sous forme de CD. Enfin, Huion, vous êtes fort quand même, hein, parce que vous me faites vraiment bugger. Vous avez aussi un petit manuel pour installer le support tablette qui est juste en dessous. On y reviendra un petit peu plus tard sur ce support tablette. Encore en dessous, nous avons donc l'adaptateur selon votre pays pour brancher tout simplement votre tablette. Vous avez aussi le câble d'alimentation ainsi que le câble 3 en 1 qui sont juste là. Le support à stylet en forme de donuts qui peut s'ouvrir avec quelques mines à l'intérieur. Le stylet aussi, bien évidemment, et à côté des mines de rechange supplémentaires. Enfin, tout au fond, vous avez le Quick Start Guide ainsi qu'une petite chiffonnette, petite microfibre pour nettoyer et entretenir votre tablette. Jusque-là, l'unboxing se passe bien. Oui, j'avoue. Revenons maintenant à la tablette et on peut voir que, oui, bien évidemment, sur le côté, il y a ces merveilleux boutons raccourcis. Oui! Enfin, Slipper n'a besoin que d'une chose pour être heureuse, une tablette et des raccourcis. Il faut quand même faire attention, sachant que le bouton tout en haut et le bouton démarrer, le bouton tout en bas est un bouton qui va servir à d'autres fonctionnalités. On a aussi la barre du milieu qui est tactile, donc qui va servir à seulement zoomer, dézoomer ou augmenter ou réduire quelque chose en fait. Donc, techniquement, on n'a que 4 raccourcis. Est-ce que c'est suffisant ? Vous allez le savoir. J'ai dit qu'on allait revenir au support, et bien c'est le moment. Donc voilà, vous avez une petite feuille qui vous permet de savoir comment on utilise un support. Il faut pas avoir Bac plus 5 pour comprendre, je pense. Et en effet, il ne faut pas avoir Bac plus 5. Vous avez un support que vous pouvez faire pivoter pour venir appuyer votre tablette dessus. Et derrière, vous avez des barres en métal qui vous permettent de régler, ben disons, le degré d'inclinaison de votre tablette. Vous avez deux barres en métal. Vous avez 3 encoches, je vous laisse faire le calcul, ça fait 6 positions. En plus du 0 degré de base. L'unboxing est fini. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben... J'aime bien quand même mettre en relation ce qu'il y a dans le package avec le prix de la tablette, parce que sinon ça n'a pas vraiment de sens. Cette tablette de 13 pouces qui a d'excellentes caractéristiques, je vous les montrerai un peu plus tard, vaut moins de 400€. C'est-à-dire que j'ai quasiment la même qualité que ma Wacom pour moins de 400€.
C'est quand même énorme, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc si on compare ça à l'unboxing, franchement, il est super simple, il n'y a pas de chichi, il y a juste une petite chiffonnette pour nettoyer, un pot à stylet, quelques mines en plus, il y a vraiment un emballage propre, c'est une tablette protégée, il y a même un petit support, il n'y a pas 36 millions d'accessoires qui servent à rien, genre le gant dont je me sers absolument pas et qui est toujours 10 fois trop grand pour moi. Et surtout, surtout, le stylet ne se recharge pas, ça c'est quelque chose qui fait monter en qualité votre tablette de fou. Vous avez un stylet qui ne se recharge pas, pas besoin de câble. On a une connectique assez simple, hein, faut pas déconner, elle est tout expliquée dans le Quick Start Guide et en même temps, je vais vous le montrer parce que j'adore faire ça, des petits tutoriels inutiles comme ça. Pour brancher votre tablette à votre ordinateur, c'est simple, il suffit de quelques étapes faciles. Vous avez besoin de votre câble d'alimentation et de votre adaptateur. Faites correspondre les petites encoches argentées, emboîtez les deux éléments ensemble et tournez vers la droite jusqu'à entendre un clic. Ça y est, votre câble d'alimentation est prêt. Pour retirer l'adaptateur, rien de plus simple, petit bouton poussoir et hop, ça sort. Ensuite, prenez l'autre bout de votre câble d'alimentation et votre câble 3 en 1. Faites correspondre les deux flèches ensemble et clipsez le tout. Parfait, le premier câble va se brancher directement sur votre tablette, les deux autres vont se brancher dans les prises USB et HDMI de votre ordinateur. Est-ce que c'est compliqué ? Non. Il est l'heure de brancher la tablette et de retirer le film plastique de l'écran. Rien de compliqué non plus. Sauf si tu te gourdes de sens. Ce que j'ai fait. Après, tu te rends compte que ça rentre pas, donc forcément tu changes quoi. C'est comme le USB, c'est pareil. Il y avait un seul truc qui me chiffonnait, c'est que j'avais peur que le câble d'alimentation s'enlève facilement. Mais quand je vois à quel point je peux l'enfoncer dans la tablette et que j'essaye de le bouger, il ne bouge pas d'un poil, je pense que je suis rassurée. Ça n'a rien à voir avec les branchements de la GT191 qui, je trouvais, tordaient tous les câbles. Là, le câble est dévié sur le côté, il n'y a aucun problème. Zéro problème. Ok, on allume la tablette, on vient régler ce fameux problème de duplication d'écran, là, voilà. Donc on duplique les écrans en allant dans les paramètres d'affichage de notre ordinateur. Et voilà. Et alors, oui, le stylet ne marche pas, mais c'est plutôt normal parce que je n'ai pas installé les drivers de la tablette. Rendez-vous sur le site de Wion pour télécharger les drivers de la tablette. Alors c'est pas compliqué, vous allez sur le site. Je vous l'avais déjà montré la dernière fois, mais j'ai vraiment la flemme de vous le remontrer là. Tu vas sur le site indiqué avec le petit CD, tu trouves ta tablette, tu regardes si t'es sous Mac ou sous Windows, et tu télécharges, et tu l'installes. Et bêtement, tu suis les instructions. Voilà. Et après, tu redémarres ton ordinateur et tu rebranches la tablette. Une fois que les drivers ont été installés, le stylet fonctionne correctement. Je suis allée dans l'utilitaire Wion Tablette pour pouvoir modifier tous mes raccourcis et regarder un petit peu la tablette en détail. Vous avez donc bien, roulement de tambour, 4 raccourcis qui sont personnalisables, sachant que le cinquième au milieu est une barre tactile, c'est-à-dire que vous pouvez la régler pour que ça fasse un zoom par exemple. Le bouton du haut, lui, sert simplement à allumer la tablette, et le bouton du bas, en fait, a 2 modes. Il y a un mode qui va vous permettre de naviguer dans la tablette, c'est-à-dire le contraste, la luminosité, la saturation, les outils, machin. Et il y a un deuxième mode qui va vous permettre simplement d'augmenter ou de réduire la taille du stylo. C'est tout. Le deuxième onglet vous permet de personnaliser les raccourcis sur votre stylet qui sont au nombre de 2. Et vous avez aussi un moyen de gérer la sensibilité à la pression de votre stylet. Le troisième onglet sert à définir la surface sur laquelle vous allez dessiner. Donc bon, normalement, si c'est bien mis comme il faut, c'est déjà adapté à votre ordinateur. Mais le plus important, c'est de pouvoir calibrer votre tablette avec votre ordinateur. Donc vous devez vous mettre dans une position naturelle, voilà, et vous appuyez bêtement sur les points qui apparaissent sur votre écran pour calibrer la tablette correctement. Après quoi ? Après c'est fini en fait, après j'ai ouvert PenToolSize, sachant que la tablette est compatible avec plein d'autres applications de dessin, notamment Photoshop, GIMP, Krita, etc, etc. Quand je l'ai testé, j'ai été putain de surprise. Désolée d'employer des gros mots, mais vraiment j'étais surprise parce que je suis utilisatrice actuellement de la Wacom Cintiq 13 HD et je n'y ai vu aucune différence. S'il y avait peut-être une petite différence, c'est simplement le fait que elle était plus sensible dû au niveau de pression qui sont supérieurs, tout simplement. Déjà le niveau de pression je l'avais senti avec la GT191, mais là c'est pareil en fait, c'est vraiment pareil. Il n'y a aucun lag, aucun bug. Les raccourcis fonctionnent tout de suite et pas quand on relâche le bouton. C'est super fluide, c'est super précis. Il y a, je crois, 60 degrés de reconnaissance d'inclinaison du stylet. C'est quand même énorme. Il y a 8192 niveaux de pression, comme la GT191. Ça se sent aussi. L'affichage des couleurs, c'est la même, en fait, que la Wacom. Donc c'est très bon, c'est vraiment fidèle. Honnêtement, c'est très, très,
très dur de trouver un point négatif, mais vraiment très dur. Donc là, je vais faire un petit peu la synthèse de mon test. Honnêtement, j'ai eu énormément de mal à lui trouver des points négatifs. Écoutez-moi jusqu'à la fin. La tablette est super légère. Elle fait 912 grammes, il me semble. Ça veut dire que c'est une tablette qui est plutôt portative. En fait, vous pouvez l'emporter partout avec vous et vous pouvez dessiner pas n'importe quand parce qu'il vous faut quand même le câble d'alimentation qui est branché sur une prise. Mais si vous avez un ordi portable, la tablette dans une petite sacoche à côté et une prise à disposition, vous pouvez facilement dessiner. Le câble 3 en 1 est assez long, donc si on a envie de pas dessiner sur son bureau, mais par exemple dans un fauteuil un petit peu plus loin, bah c'est possible. Malgré tout, je rêve d'une tablette quand même entièrement autonome, sans ordinateur, avec son propre système d'exploitation, avec les mêmes qualités qu'une tablette graphique. Sur la tablette, je dis oui aux raccourcis qui sont au nombre de 5, voilà, c'est exceptionnel. Mais j'en aurais voulu plus, toujours plus de toute façon. J'aime bien la nouveauté avec la touche tactile du milieu qui peut vraiment apporter un côté technologique vraiment cool, franchement moderne. L'écran de la tablette est mat, ce qui est à mon goût réellement mieux parce que vous n'avez pas tous les reflets parasites d'une lampe qui peut être derrière vous, de la fenêtre, tout ça. Et aussi ça apporte quand même une certaine, comment dire, fidélité au niveau des couleurs, ça c'est cool aussi. Vous avez une pression aux petits oignons, des couleurs aux petits oignons, tout aux petits oignons en fait, c'est une tarte à l'oignon cette tablette. Le stylet n'en parlons pas, le stylet qui n'est pas rechargeable donc autonome, ça c'est génial. On apprécie les raccourcis qu'il y a dessus, il y en a deux qui sont légèrement surélevés donc ça c'est cool. Sur PenToolSci en tout cas, il n'y a aucun décalage, aucun lag, vraiment c'est nickel, c'est fluide. Je galère à trouver des points négatifs, c'est tout. Mais Slipper, trouve-le du négatif à cette tablette, elle ne peut pas être parfaite. Non, c'est vrai, elle n'est pas parfaite, mais voilà, les défauts ils sont tellement minimes que c'est ridicule en fait. Bon, on va essayer de trouver un défaut. Voilà, quand vous utilisez le stylet sur la tablette, ça queen un peu. Voilà, ça queen, c'est ça. Le défaut, du coup. Non, honnêtement, pour moi, le seul gros point noir de cette tablette, c'est pas la tablette en elle-même. La tablette en elle-même, elle est super. C'est le support, qui est vraiment en dessous de la tablette. Honnêtement, je faisais pas trop attention à ce détail, parce qu'avec la 191, comment dire, il y avait un support qui était exceptionnel, donc à visser et tout ça, donc il y avait zéro reproche à lui faire. Autant là, le support fait vraiment cheap, enfin, c'est vraiment bizarre. Malgré les antidérapants qui sont placés un peu partout sur ce support et sur la tablette pour éviter qu'elle ne glisse, j'ai l'impression qu'elle va tomber à tout moment, et c'est le cas parce que dès que vous appuyez un peu trop sur la tablette et qu'elle est trop penchée vers vous, et bah elle glisse. Je trouve ça pas très safe honnêtement. Et si vous voulez mon avis, ça vient du fait que le loquet en bas sur lequel vous posez votre tablette, il est pas assez grand, genre il fait juste la largeur de votre tablette et il y a rien pour bloquer en fait, il y a juste un antidérapant, sauf que ça suffit pas. À la limite, quand ta tablette elle est allongée, c'est pas très grave parce que du coup elle peut pas vraiment tomber quoi, elle est plutôt à plat, son centre de gravité il est plutôt bas. Par contre quand tu utilises l'autre barre de métal qui la met un peu plus haute, honnêtement moi je la mettrais pas au bord de ma table quoi, j'aurais un peu peur. Donc pour moi le support il est vraiment limite quoi. C'est con parce que ça peut être facilement modifiable, vous rajoutez un mini bout de plastique là qui bloque la tablette et c'est bon, la tablette elle tient correctement sur le support et j'ai plus rien à dire et je ferme ma gueule, c'est tout. Mais vous savez pourquoi c'est pas vraiment important finalement le support? Bah parce que c'est une tablette qui est très légère et qui est faite pour être portative et non pas pour être installée sur un bureau en permanence en fait. Donc à la limite, le support, on s'en bat un peu les steaks. Sachez que cette tablette existe en version 12, la Canvas Pro 12, qui est encore un petit peu plus petite en termes de taille d'écran et qui est du coup encore un peu plus légère. Je sais que vous surkiffez les grands écrans, mais j'ai envie de vous dire c'est pas important la taille, parce que honnêtement je préfère une tablette qui est plus petite mais qui gagne vraiment en précision plutôt qu'une grande surface d'écran qui va me servir à rien. Pour moi la 13 pouces c'est le juste milieu. À gauche vous avez une surface d'écran plus petite qui pourrait vous gêner, mais en tout cas elle est très légère et très portative, et à droite vous avez une très grande tablette avec une super grande surface d'écran mais qui n'est absolument pas portative. Le 13 pouces c'est assez grand et c'est portatif donc c'est génial. En tous les cas je remercie Wion de m'avoir envoyé cette tablette qui est vraiment cool et qui va vraiment devenir une de mes tablettes favorites. Une vidéo arrivera assez rapidement pour vous montrer un speed drawing avec cette tablette parce que j'ai un petit peu envie de vous montrer ce que la bête a dans le ventre quoi. J'espère que vous avez apprécié la review de cette tablette parce qu'honnêtement elle était vraiment cool à faire et aussi je pense qu'elle peut vous intéresser de par son prix qui est quand même raisonnable pour ce genre de tablette et sa qualité. Tu es libre de faire tout ce que tu veux de cette vidéo, laisser un like, un commentaire, t'abonner, voilà. Et moi, personnellement, je me casse. Ciao.